Eh bien, salut à tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est de retour sur Dofus 2.0. Ça fait plaisir de revoir des vrais graphismes. Alors, on va commencer tout de suite par vous présenter le nouveau personnage sur lequel je vais commencer l'aventure PVP. Alors, c'est le Leka Flip. Qui n'a aucun titre au passage, mais voilà, Eka Flip, 100% terre et vita, donc vous voyez, il est à 1467 de vita, il est full terre, et avec une panoplie un peu qui ressemble, non, c'est pas le bon, ok, Karakwaf, 245 vita, 1 PA, fulgurante, cape fulgurante, ceinture d'agneau, alors attendez, juste, hop, je vais lancer le combat au moins. Ça se fera une paire de coups. Alors ceinture du Danyul, sabote de Danyul, une Dragodin Emerald niveau 100, donc 300 vita, c'est assez intéressant. Le bouclier, bon, il est là juste pour faire joli. Le Radiel, Radiel qu'on utilisera, je pense pas encore à corps, mais juste pour les caractéristiques force, air et vita. J'ai l'anneau PA vita, forge magée par moi-même, et force Dragodin, Crocoburio plutôt, je vais y arriver. 33 vita, 23 force et l'amulette stroplante vite force du moins et PA. Voilà pourquoi on est sur du full force et voilà pour sa panoplie. Donc on a des trophées, donc enragé mineur, force, dommage terre, force, vitalité, dommage et encore vita. Donc on va trouver un combat tout de suite et ensuite on ira sur le premier combat avec cet Eka Flip. Ok, on a trouvé un combat contre un Osamodas, si je me trompe pas, on va se mettre prêt. Ouais, Osamodas, ouf, full vita, ouais. Alors, j'ai jamais joué contre un Osamodas, et en plus, je n'ai jamais joué avec l'Eka Flip en général, donc on va rigoler, ça va être un peu la grosse découverte, j'espère, pouvoir gérer. Il a 2080 PV, donc ça va être un peu complexe, et je sais qu'il va la jouer à distance. Alors, on verra bien, voilà, Dragoon classique, hop, on va invoquer le Chacha. Ah, j'ai combien d'invocations, par contre? Invocation, je crois que j'en ai qu'une, en plus. Invocation, ouais, qu'une. On va voir ce qu'il en est. Et je ne peux rien faire, c'est génial. Donc, on ne va pas bouger. Hop, allez, invocation contre invocation. Alors, les distances, on va un peu apprendre les sorts, comment ça se passe. Hop, terre, feu, ok. Ça marche, donc on va aussi apprendre un peu les buffs. Parce que comme je vous ai dit, voilà, c'est un combat, c'est le premier combat avec mon Eka Flip, donc je ne sais pas totalement comment le jouer, je ne sais pas exactement les sorts, etc. Donc là, il va falloir le rush, hein. De toute façon, on est un Eka Flip, il va falloir rentrer dans le tas directement. Et le truc, c'est que moi, je peux pas jouer à distance. Ouf, déjà, il est déjà mis là, il a plus de vie déjà. Oh putain, et lui, il a les invocations en plus. Ouh, ça va mal se goupiller là pour l'instant. Et il peut taper à distance, je suppose. Non, ça va. Non, il ne peut pas. Je peux pas invoquer de roulette, dommage. Il n'y a pas un truc où je peux taper à distance sans ligne de vue. Non. On va se mettre là. Il a combien de PM lui là, 3 PM. Ok, ça marche. Hop, roue de fortune. Occasion des. Ça, on le fera plus tard. Ok, bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Trèfle. Ah, je peux le lancer que sur des autres trèfles. Ok, bon, lui, il sert à rien. Vite, tuez-le. Ça me fera une invocation en plus. Parfait. Voilà, au moins, déjà, il perd des PA. Donc, il doit être en quoi, en 10-5. Ouais, c'est ça, c'est du 10-5, je pense. Il donne des PA, des PM plutôt. 1, 2, 3, 4. Bon, il m'atteint pas. Et moi, je l'atteindrai pas non plus. Ah, il le booste bien. Ouais. Il le booste très très bien. Il se barre là-bas. Ok, bon, je vais m'attaquer de toute façon à lui. Il va avancer normalement. Normalement, il peut me taper en... sans ligne de vue, si. Bon, est-ce qu'il pourrait se dépêcher de jouer surtout? What? Hein? C'est quoi ce scandale? Ah, il a gagné 2 PM. Ouais, mais j'ai aucune ligne de vue. Hop, roulette. 5 portées, parfait. Au top.
Ah, je suis baisé. Bon, on va taper lui. Ah, merde, putain. Et ouais, je sais pas trop comment le jouer, donc là, je me suis mis dans une sauce. Et non, il a pas de PO. Donc là, je vais me faire triplement taper. Ok, il tape du sang. Ouais, je vais prendre tarif. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Bon, en tout cas, lui, il est à découvert, donc il pourra pas se bouger. Par contre, eux, ils pourront venir me chercher. Il va pouvoir venir au corps à corps. Non, il joue à distance très bien. Lui, il tape fort, par contre. Ah non, ça va, du 50. Du 100. Ah ouais, non, il tape quand même pas mal fort. Ouais. Donc, de toute façon, ouais, voilà, il me bloque. Il me bloque, il me bloque. Et le dragon, le dragonnet. Ok. Ah, j'ai pas assez de PM. Ça fait chier ça. Hop, hop, hop. Oh putain, j'ai le seum. Ok. Attends, ça coûte combien de PA? Oh putain, j'aurais tellement pu le faire! Dommage! J'avais 4 PM. 4 PA. Ah, dommage, dommage. Bon, il lui reste 3 PM. Il va atterrir ici. Ouf! Ouais, ouais. Ah ouais, il est en train de me détruire. Par contre, il est long à jouer. Niveau combien? Il est niveau 61 aussi. Putain, c'est puissant en PvP un de sa mode au final. Hein. Ok, il va se soigner. Ok, il se soigne. Très bien. On va se mettre en mode créature. Hop. J'ai quoi? 40 soins. Oh putain, 40 soins, génial. Hop. Hop. On reste au cac. Ah ouais, putain. Je suis mort, hein. Je suis mort, je suis mort. Et ouais, il a 1000 PV de plus. Comment je fais? Il a 1000 PV de plus. Et en plus, il a 5 PM. Allez, vas-y. Il va aller là, regarde-moi ça. Oh, ouais, il invoque. Ouais. Hein? Oh, quel calvaire. En plus, j'ai perdu la vie, moi, maintenant. Oh, le scandale, il gagne 3 PA. Oh! Oh, c'est un délire. C'est un délire, le Samodas. C'est un délire. C'était quoi, ses forces? Ah non, c'est 40 dommages de poussée. Bon, allez. Allez, regarde-moi ça, il se fait soigner du 200, mais c'est un scandale, c'est un scandale. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, le bâtard. C'est un chien. Ouais. C'est un chien. Bon, dommage. Bon, premier combat, c'est pas tellement bien passé. On va enchaîner directement sur un deuxième combat et en espérant le gagner celui-ci. C'est parti. Bon. Let's go contre un roublard. Allez, ça va être encore intéressant cette histoire. Cette histoire, ça va être intéressant. Il est niveau 61 également. Donc on verra bien ce que ça va donner. Il a combien de PV? Oh, déjà ça se réduit. Déjà 1387 PV. Il est en quoi? Il est en... Il était là. Attends, il est en combien? Il est en 9,5. Je suis en 10,4. Bon, ça devrait le faire. Hop, une petite roulette. Ah non, j'aurais dû envoyer le chat. Je suis un connard, j'aurais dû invoquer le chat qui allait l'emmerder un petit peu. On va se booster, roue de la fortune. C'est tout. C'est tout, c'est tout, on va se mettre là.
Il est en 4 PM. Attends, on n'a pas beaucoup de temps pour jouer, c'est chiant ça. Ok. 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 Allez, mais c'est bon, il a commencé à me faire des pièges. Donc il va falloir vraiment pas que je m'approche de là-bas. Ça, c'est bien Roublard en vrai. Il faut bien savoir le jouer, mais en soi, Roublard, c'est super stylé. Du moins à jouer. Ok. 20 retraits PM, très bien. Faut pas que je peux pas aller au corps à corps et je dois jouer. Compliqué la situation là. Ok. En soi, là, on est plutôt tranquille. Juste, il s'impose un petit peu, il se pose un peu trop. Mais si je m'approche, je suis mort. Ok, il me tape du 20, donc il ira pas très très loin. Une roulette chance, une roulette chance. Là, il y a des lignes de vue. Je peux rien faire. Et là, il y a des lignes de vue de bâtard. Je vais aller là-bas. De toute façon, je peux rien faire. Ces bombes, elles sont gonflées. Donc là, lui, il est posé. Lui, il est dans son jeu. Il attend juste ma petite erreur. Ah, il arrive à m'enlever des PM en plus. Comment on va se la jouer? Comment on va se la jouer? Parce qu'il faut pas que j'aille là-bas. Si je vais là-bas, je suis baisé. Il m'aimante. Il me botte. Il botte son. Ah! Là, il commet sa première erreur. Par contre, moi. Je crois qu'il est passé là, non? Allez, bouh! Je te baise, mon gars. Hop, Odora, non. C'est quoi la roulette? Roulette soin. Ça sert à rien, ça sert à rien. Je peux pas faire ça 3 fois déjà, c'est vrai. On va faire ça. Ah! Il m'avait enlevé un PM. Ok, donc là il va taper fort là. Là il va taper fort là. Mais très bien, de toute façon il a mon cac, donc 3 PM, il peut partir, j'en ai 4, je peux le rejoindre. Par contre s'il part, ouais voilà, ça, et là il peut transpo avec une de ses bombes. On est à 700 PV tous les deux là, pile poil. Qu'est-ce qu'il va me faire? D'accord. Il va en mettre une là, il va me botte. Putain, je suis baisé, ouais, il va faire ça normalement. Eh non, il peut plus. Ah si, 2 PM, il peut. Ah non, ah, bien wesh. Bien wesh, bien wesh. Ça va faire mal. Et j'ai pas de truc pour le pousser, ça c'est chiant. Et là, je m'étais là et je le poussais. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Et ouais, un roublard. S'il arrive à te mettre dans ses bombes, des murs de bombes, t'es baisé. Ah, bien joué. Bien joué. C'est bon, fini. Bien joué à lui. Bon, deuxième combat perdu. Bon, là, ça c'est plus. C'était un peu plus tendu. C'était un peu plus serré. On va relancer un dernier. Ou pas. Alors, attends. Non, je pense pas. Je pense que pour cette première vidéo, on va rester sur 2 combats. 2 défaites. C'était le premier épisode où c'était un peu compliqué. Bon, c'est la première fois que je joue avec avec les K-Flip. Donc, bon. J'ai pas toutes les stratégies. J'ai pas toutes les petites spécificités lorsque je peux
pour un combat, si c'est un peu compliqué ou quoi, même à Destin avec les roublards, c'est toujours très compliqué. Plus tard dans les épisodes, je m'améliorerai, j'apprendrai à bien jouer. De toute façon, après, Terre, c'est un peu complexe aussi. Hein. Heureusement qu'il y a un peu le. Mon cac qui fait mal, mais sinon, voilà, Terre, c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Mais sinon, voilà, en tout cas, c'était le premier épisode. On a un peu pris en main le Feka, les cas flip, le Feka, rien à voir. Les cas flip, et prochainement, dans les prochains épisodes, je m'améliorerai. Je pense que je ferai beaucoup de combats tout seul, sans vidéo, pour pouvoir apprendre à jouer avec, parce que c'est pas comme le Kra. Le Kra, c'est très très simple à jouer. Un Eka flip, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main, parce que c'est du corps à corps, c'est du full corps à corps. Faut pas non plus trop se dévoiler, faut pas non plus rester trop à distance. J'ai pas beaucoup d'invocations. Voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte avec un Eka Flip et je gérerai ça et pour les prochains épisodes je reviendrai plus fort. Donc deux défaites c'est pas grave, c'est le premier épisode, ça arrive, le premier épisode avec le Kras n'est pareil que des défaites. Mais voilà, prochain épisode on essaiera d'avoir plus de victoires, au moins une déjà ce sera pas mal. Et on verra ça et aussi bien évidemment je continuerai l'aventure avec Dofus Monoconte. Parce que l'aventure n'est pas finie. Je voulais juste faire un petit retour sur Dofus 2.0. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Bien sûr je sais que j'ai très mal joué, que j'ai fait des moves pas bons. Et je sais que dans les commentaires vous allez pas me louper. Mais en tout cas voilà, je le sais. Et pas besoin de le répéter, je sais que je joue très mal avec cet Eka Flip. Mais voilà, je m'améliorerai prochainement. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qui arrivera sur Dofus Monoconte, Dofus Retro, Dofus 2.0 avec les aventures PVP, Kama, tout ce qui pourra arriver très prochainement, et Call of Duty bien évidemment, les petites vidéos qui sortent un petit peu occasionnellement. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde.